Bonjour les gens. Alors attendez, on voit pas trop avec ma maison. Et bon, me voilà, donc je viens de m'en réveiller du coup. Alors ne jugez pas ma maison, je la trouve très jolie. D'accord? Et là il y a la maison de ma soeur. Du coup bah je vais faire ma vie. Les gars, on va la rendre visite. Donc c'est ma grande soeur, hein. Bonjour, grande sœur. Comment tu vas? Moi, bah ça va, mais... Est-ce que ça va, grande sœur? Oui, c'est juste de la nuit, j'ai fait un cauchemar. Ah! Pour ça, je peux pas trop faire grand-chose, mais bon. Du coup, on fait quoi? Parce que là, on... Je m'ennuie un petit peu. Parce qu'avec une maison comme ça, je sais pas. Après, ça va, hein, les gars. Regardez, quand même. C'est kawaii. C'est pas beau chez nous. Moi, j'aime bien, hein. Ah, puis je vis là depuis que je suis toute petite, c'est ma grande soeur qui m'a élevée. Donc, bon. Du coup, bah oui, les gens. J'ai 10 ans et elle est là. Elle a 12 ans. Tu veux manger? Il y a des pizzas, tu veux manger? Ah, bah oui! J'ai trop la dalle! En plus, miam, pizza. Pizza. Il veut ma pizza, mais j'arrive pas à la prendre. Je veux de la pizza. Miam. Elle est trop bonne la pizza. Elle a un goût un peu spécial, mais elle est hyper bonne. Miam. C'est trop bon. J'ai économisé pour avoir la pizza. Ouais, d'ailleurs, on va travailler. Parce que là, on... Parce que moi, j'ai que 12 euros, hein. Voilà. Go. Bon, moi j'y vais, donc oui, je fais pas grand chose parce que j'ai que 10 ans. Alors bon, on fonce, je cours le plus vite possible jusqu'à mon travail. Si, ouais, les chiens sont bien attachés. Bon, tout va bien. Ici, alors, je prends les chiens. Hop, hop. Hop, hop. Attendez, parce que moi, je dois balader les chiens là et c'est assez compliqué. Ouh, il est où le chien?
Voilà, allez. Regardez-moi ce chien, il est quand même trop chaud. Bon, je le balade. Pourquoi il y a un camion de glace qui est tombé? Bon, bref. Je balade bien le chien. Puis je le ramène à son propriétaire. Bon, ça me fait pas gagner beaucoup d'argent. Ça me fait gagner 2 euros. Mais c'est bien. Ça, après, on peut se payer de la pizza. Ah, je fais vite mon boulot parce que bon, après ils vont m'embêter les gens. Oui, ça fait un peu mal. Bon, allez, je vais ramener ce chien à leur propriétaire en espérant qu'ils veulent encore de lui. Hop là, voilà. Ah, ils ont déposé l'argent. Attendez, je vais la prendre. Hop, zoup, mes 2 euros. Pas je les gaspille. Ah non, ils m'ont mis 1 $ de plus. Alors, je mets ça dans ma poche, qui a que des trous d'ailleurs. Et go prendre leur petit animal. Alors, voilà. Oui. Allez, je te promène. Eux, ça va, ils me donnent 4 euros. Donc, la dernière fois, j'ai gagné 12 euros avec mon travail. Donc là, je vais sûrement en gagner plus. On va courir un peu, on va passer devant chez moi. En espérant que ma maison est toujours en vie. Yay, elle est là. Je regardais si ma grande soeur est bien partie. Donc là, c'est ma maison, elle n'est pas là. Il est dans la maison de ma grande soeur. Ouais, elle n'est pas là, elle est bien partie au boulot. Parce qu'une fois elle est restée, elle est pas partie. Bon allez mon petit chien. Je vais aller te prendre à tes propriétaires. Et je vais prendre 4 euros. Voilà. Allez, vas-y. Ouais, eux aussi, ils ont laissé l'argent. Voilà. Alors, faut que je descende correctement. Parce que je me suis un peu cassé la figure la dernière fois. Voilà. C'est bien. Je suis dans 23. Attendez, les gens. C'est où la maison 23? J'ai utilisé le pouvoir de la téléportation. Attendez, c'est où la maison 23? Effectivement, ici, je les ai aidés. Allez, go. Quand je les aide, peut-être que j'aurai de l'argent. Mais non, je veux pas que tu me portes. Moi, je veux vous aider. Ça, je gagne de l'argent. Je traverse sur les flammes. Ça brûle un peu, mais tout va bien. Tout va bien. On continue. Les gens, je vais tout donner. Et si ça va, ça fait. Il y a du tir au pistolet à la maison, ils ont pour des gros problèmes. Dans leur champ, purée, les draps ils vont brûler. Bon,
bah ils ont il a disparu d'un coup. Oh, oh! Tout l'argent! 55 euros qu'ils m'ont donné, bon de Dieu. Pourquoi il y a ça? Ah, c'est mon lit. Je vais déposer tout cet argent ici. Voilà. J'ai déposé mon argent. Et je vais vendre ces bougies cœur. Voilà. Enfin, ces bougies, ces trucs cœur. Pour remplacer par l'argent que j'ai. Voilà. Par contre, mes lumières sont parties. Alors, je veux les remettre. Voilà. Super beau. Je vais dire à ma grande soeur que je suis rentrée. Je vais crier. Grande soeur. Je suis rentrée, comme ça. Bah, elle va rentrer aussi. Parce qu'elle ne peut pas me. Elle a peur de me laisser toute seule. Donc, bon. Il est tard. Je vais manger un bout de pizza et puis. Ah, ça a été? Oui, j'ai réussi à manger et. J'ai réussi à manger et de l'argent. Oh! Moi. Viens voir. Oh mon Dieu. Je suis trop fière. J'ai sauvé des gens du feu. Et j'ai eu tout ça. Et ça, le bac, je l'ai trouvé dans les poubelles. Mais ça, c'est autre chose. D'accord, c'est cool. Ouais. Je sais. Oui. Maintenant, go manger. Bientôt, on pourra se payer un appartement. Ah ouais? Mais c'est trop bien. Ah vas-y. On va se régaler avec l'appart. Parce que moi, j'en ai marre. Et puis, mes vêtements, ils me grattent. Je sais pas, ils ont un truc. C'est chelou. Bon, miam. Tout t'as un burger, toi, la chance. Bon, après, la pizza, c'est bon aussi. Miam. Pizza pepperoni, là. Miam. Bon, voilà. Moi, j'ai fini de manger. Je vais dormir. Et dodo. Je suis fatiguée. Grande sœur, tu peux me laisser dormir, s'il te plaît? Bonne nuit. Merci. Yam. Attendez les gens. Attendez les gens. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'est-ce que ma soeur dort bien? Parce que des fois, j'ai l'impression. Ouais, elle est là. Regardez, elle dort. Je vais me cacher à la fenêtre. Ouais, elle dort bien. Les gens, des fois, je me pose la question, c'est est-ce que ma soeur dort vraiment? Parce qu'il y a une fois, elle a pas vraiment dormi et du coup, c'était compliqué. Donc, je me posais la question, mais oui, ça va. Mais les gens, avec cet argent, je peux vous le dire. Moi, je vais être trop bien avec ma grande sœur. Je suis trop contente. Bon, je dois travailler très tôt. Aujourd'hui, donc, on va courir, foncer.
Je vais foncer dans les poubelles. Tu sais quoi? Je vais peut-être trouver un truc. Poubelles, les poubelles. Je crois que la grande sœur, elle ne sait pas que je suis là, alors. Regardez l'argent qui est ici. Je peux pas me permettre, c'est pas moi qui l'ai gagné. Faut que je coule. Bah, ils sont où les poubelles déjà? J'ai oublié. Bah, tu sais quoi? Je sais pas quoi, mais on va essayer de trouver un truc assez stylé. Pourquoi pas à la garderie, regardez. Attendez les gens. Je dois... Je veux faire un truc ici. Il n'y a personne. Je dois avoir mon petit frère et ma petite soeur. Allez, on fonce. Je veux les voir. Sont trop choux. Je vais les prendre. Je vais les ramener à la maison. Ils ont rien à faire ici. Ça sert à rien de les laisser là. Moi, je les reprends. Hein. C'est mes frères, mon frère et ma soeur. Donc, je les prends. Les gars, c'est trop bien. Alors là, je ramène mon petit frère et ma petite soeur. Mes grandes soeurs, elle, elle est même pas au courant. Donc, c'est trop bien. Problème, c'est que nous, on habite dans la résidence là-bas, tout en haut. Donc du coup bah c'est assez compliqué et voilà. Ah non 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 mais ça me saoule ça, je peux pas monter tranquille, voilà. Voilà. Grande sœur, elle dort, tout va bien. Hop. Je vais dormir avec mon petit frère, ma petite sœur et mon petit frère. Et Peggy Blue. A yellow, a green, a yellow. Voilà. Mais pourquoi le danseur a été me voir? Bon, elle dort. Bon, je sais pas ce qu'elle fait, les gars. On va partir avec petit frère et petite soeur. En tout cas, moi, go, je vais aller m'acheter l'appartement, les gars. Donc, je vais prendre ça. Et je vais reprendre un peu mon lit et tout. Mais pour l'instant, on va go aller s'acheter l'appartement. Je veux vraiment l'avoir. Ça se trouve, on pourra s'acheter un skate ou un truc du style. Un vélo et tout. On pourra même aller à l'école, trop bien. En plus, on habite à côté de l'école si on prend un appart. Let's go! Alors, il y a celui-là et il y a celui-là. En vrai, on a masse d'argent. Je pense qu'on va prendre celui-là. Hein. Allez. Je vais me prendre. Je vais me prendre celui-là. Voilà, maintenant, je vais attendre. Oh purée, il me reste pas beaucoup d'argent en vrai, mais. Ah non, il m'a pas l'air classe celui-là. Attendez, monsieur, c'est possible de changer mon appart?
Alors, tu sais quoi, on va garder lui pour l'instant. Et puis, il va pas coûter trop cher. Et si je prends un autre, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc, tu sais quoi? Je vais faire là et je vais go fermer la porte. Je vais aller voir grande sœur et je vais lui dire tout ça. Oh, en plus, c'est heure parfaite. Mais pourquoi il y a de l'argent ici? C'est des gens qui ont volé la banque ou quoi? Parce que la dernière fois que je suis venue dans la ville, il n'y avait pas ça. Bon, vas-y, je vais tout récupérer dans une boîte. Ce qui est la maison et tout ci, tout ça. Je vais dire, grande sœur, c'est bon, on a l'appart. Mais avant tout, je vais d'abord tout ranger. Donc, ma petite tante, Zoupi. Voilà. Ah, c'est qui elle? Tu veux quoi? Touche pas à ma grande sœur. Grande sœur, grande sœur. Donc du coup, grande sœur. Remballe tes affaires. Oula, non, déjà. Tante sœur, remballe tes affaires. Tiens, prends petit frère. Et moi, je prends petite sœur. Fonce. C'est bon, elle l'a bien. Nickel. On va foncer jusqu'à son nouvelle maison. J'espère que ça va lui plaire. Parce que bah j'ai galéré à choisir. Et puis même si c'est la moins chère. Donc en gros, on payera 1 000 $ par an, par année, donc elle me suit. D'où elle a un skateboard? D'où t'as un skate? Et petit frère, oui, s'il te plaît. Tiens, je te laisse. Voilà. Waouh. Ouais, t'as vu ça? Et j'ai réussi à m'acheter ça. C'était pour 1 000 euros. Et je les ai arnaqués. Vas-y, choisis ta chambre. Moi, je prends principalement celle-là. Voilà. Allez, pareil que l'autre, mais je la prends. C'est incroyable. Oui. Et là, il y a même une cachette secrète pour montrer à notre coffre-fort, mais il faut pas le dire. Chut. Les gens, je vous dis où est mon coffre-fort. Oui, donc il est là, mais il faut pas le dire aux autres, hein, c'est que pour vous. Personne d'autre. Non, 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 je voulais pas rentrer, je voulais voir s'il y avait un autre passage. Ah bah elle aussi, elle le connaît. C'est qui? Attendez, c'est qui? Qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est?
Mais que veux-tu? Pourquoi elle pleure? Bon. Les gars, on va la laisser. Moi, je vais vous laisser aussi. Si la vidéo vous aura plu, donc le pauvre a entre guillemets riche. Mais attendez, mais elle arrête pas de sonner, les gars. Les gars, la nana. Je vais lui dire. Explique. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, grave, grande soeur, elle a raison. Qu'est-ce que tu veux? Explique. Je crois, elle est désolée. Bah, elle est partie. C'est toujours comme ça, les méchants, dès qu'on est riche, ils deviennent gentils. Ouais, grave. Du coup, les gars, si la vidéo... Vas-y, viens, on monte en haut. Vas-y. Attendez, normalement... C'est par où on doit monter? Attendez, les gars. J'ai un petit problème. C'est quoi ça? Attendez les gars, attends. J'ai pas acheté l'appart pour rien, j'espère. J'espère qu'il y a vraiment ce que j'avais vu. S'il l'a pas, j'ai vraiment pété un plomb. En haut, il y a une piscine normalement. Attendez, je vais vérifier avec ma caméra. Ouais, il y a bien ça. Mais c'est par où que tu montes? Bon, du coup, les gars, si la vidéo vous aura plu... Aïe. Bon, du coup, bref. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, ciao, ciao!